bloodshot eyes. Late in the evening when the sun sinks low, that's about the time my rooster crows. I got women up and down this creek, and they keep me going and my engine clean. Run me ragged, but I don't fret. Staging, staging. Ça va mouiller. Eh, c'est parti là, les gars. Les tuches à Moab. On est chaud bouillant là, les gars. On n'a pas fini de rigoler. Hein. Oh là, je croirais, en fait, on se croirait à Disneyland dans. Mais c'est exactement ça. Bon, on est prêt, hein. Voilà. C'est parti, hein. J'ai dit au mec, je lui dis, je te l'achète là. Alors, si tu veux la vendre. His wings are black as sin. And he floats outside my prison window, mocking those within. He sinks to me real low. It's hell to where you go. For you didn't murder Cade McCannon. Ouais, je vais essayer, bouge pas. Mets la GoPro, mets la GoPro. Reste où, on va filmer. Habitué, t'en prends plein la vue ou quoi? J'ai envie de pisser mon corps. Moi aussi, j'ai envie de pisser. Et on peut s'arrêter à un endroit pour pisser. Voilà, là, c'est pas bien là? Pas bien là? Derrière là? Allez, pisse dans la descente, voir jusqu'où ça va. C'est comme les enduristes, pisse-toi dessus.
Yeah, yeah, yeah. Yeah. Donc j'ai donné la caméra à Arnaud parce que c'est vrai que je fais pas tous les trucs difficiles parce que je suis obligé de filmer Arnaud, tu vois. Ouais ouais, non mais c'est sûr, voilà. Ouais, toi tu es... Bah donc, si tu le fais mais avant qu'on arrive. Voilà, donc ça permet de savoir si ça passe d'abord et après c'est vous ça. Passez, je filme. Ouais, c'est ça. Donc là pour une fois bah je roule. C'est ça, t'as raison. Merci Arnaud. Allez. Lord, and one day I come home to find my darling angel's not in sight. Petite pause de lunch ouais, avec des sardines. On va s'en sortir. Hein. J'ai des fourchettes. Ah, bah, oh, viens, viens, viens. Oh, oh, oh là là, les c'est sardines. Ah, regarde la sardine. Je l'attrape la sardine. Ça y est. Oh là là. Ah, là, là. Then I put three rounds in the Kate McCannon. Là, on va attaquer un chemin de bureau, 4-5 km en montée et après en descente. Quand on reviendra là, s'il y en a qui en ont marre, ils peuvent revenir sur la route et redescendre. Ok, donc je te... La route, elle va jusque. Là, tu roules, tu arrives au parking. Là. Ok. Ok. De toute façon, comme ça, vous aurez digéré le truc. Machine de guerre, le big. Oh l'enfoiré, il est chaud. Hey, ça vient de bouger, hein. Oh, il est chaud. Attends, mais il faut avoir tout le... Vous le voyez, là, Eric, là? Vous le voyez, là? Il est chaud. Il est chaud. Oh, il est chaud. Oh, oh non, non. What? Oh, l'enc. Oh, l'enc. Est-ce que vous le voyez là? J'espère que vous le voyez là. Regarde. J'espère que vous le voyez là, comme les photos que j'ai prises. Parce que j'ai tout pris dedans. J'ai pris ça aussi. Ah, tu le vois? Ah, et t'as le truc au... là. Perspective et tout. À qui le tour? Je vais peut-être aller voir. Déjà qu'un moto, il nous a fait très peur et il continue à pied. Christophe, à qui le tour? Je vais aller voir, mais peut-être pas aussi près. Oui, on y va. On y va, oui. On peut se mettre assis sur la caillou au-dessus là-bas. Mais oui. Oui, oui. Qu'est-ce que t'en penses, DB? Oh, dans le... j'ai voulu faire le cake là. Dans le... ben, t'as vu où t'as eu du mal là, ouais. Le premier franchissement. Ouais, ouais. Et en fait, j'étais trois. Et les trois marches, je les ai sautées sur la roue arrière, tu sais. Et quand j'ai fait ça, je me suis étiré le dorsal ici là. Oh là, comme j'ai mal. C'est la folie. Faut boire de l'eau, pas d'alcool. Ah, c'est bon. Il n'y en aura plus dans 20 ans. Je suis en poste, moi. On a price house. Elle est où ça? Ça c'est un BLT avocado. Ah, merci. Merci. Merci Eric. Merci. Merci Marvin pour le lunch. J'ai pas de rôle de rouler tout seul. Prends des pizza Wish. Mais Roblochon ici. Une Vosgienne, pas une Vosgienne. Là, elle m'a offert des supermarchés avant de trouver du Roblochon. Alors, une pizza? Non, mais on avait vraiment des pêtes. Mais non, mais c'est normal. C'est comment ça qu'il pense à ça? Il n'y a pas du fromage style Roblochon ici. C'est qui a commandé? C'est toi qui a commandé? Moi j'ai pris deux margaritas et j'ai pris tout ce qui se suivait. Arrêtez de jeter les trucs dans l'assiette comme ça. C'est bon. Ça c'est jambon, je sais pas quoi. Merci. Envoie. Jambon fromage. Manger c'est sacré les gars. Non, mais arrêtez de jeter les pizzas sur les assiettes là. Un peu de classe les mecs, merde. Mais ta gueule, t'as vu le site internet que tu as, qu'est-ce que tu parles de classe? Bon, ça, j'étais obligé de couper. Donc là, on est à Mureta sur le circuit KTM et ma moto, elle a des problèmes parce qu'elle coupe, donc ça arrive quasiment jamais, tu vois, c'est arrivé qu'une fois. Ouais, elle coupait. Ouais, elle coupait, donc bon, je fais quand même mon entraînement, mais... Tu vois, je le finis pas quoi. À un moment donné, elle coupe bien. C'est même moi qui t'arrête. C'est dans ce ouais, on a dit voilà, c'est bon, on arrête et tout. Il y avait un souci qu'il fallait boire quoi. Et le team, ils ont dit on ramène la moto à l'atelier quoi. On va pas la réparer là.
Et là, j'avais quand même fait des tours, quoi. J'avais fait le warm-up, j'avais fait des sprints. Il me manquait juste une manche à faire, quoi, tu vois. Mais j'avais quand même fait un bon entraînement, mais je l'avais pas fini. Et là, DV, il me dit, ben c'est simple. Hein. Il me dit, là, tu rentres à la maison, tu manges sur la route, et tu rentres et tu fais tes 3 heures de vélo l'après-midi. Donc l'hiver, il fait nuit à 5 heures, quoi, tu vois. Avec Antoine, on se regarde. Aucune envie, quoi, tu vois. Et du coup, on est rentré. On a mangé sur la route vite fait pour pas y aller ventre vide ou quoi, tu vois. Et on a fait 100 bornes, on est rentré et il faisait plus. Il commençait à faire nuit. Hein. Mais là, quand tu fais des trucs comme ça, ça forge le caractère. C'est pas ce qu'il faut faire, t'es en fait. Content quand tu l'as fait. Hein. Mais quand tu fais des trucs comme ça, que tu rentres, que c'est un peu à la dernière minute et que en fait t'as l'impression d'avoir travaillé du matin au soir. Automatiquement, ta confiance dans ton entraînement, en plus, il faisait des très bonnes moyennes, il roule super bien en vélo, donc il faisait de grosses moyennes. Et là, il m'envoie une vidéo dans la dernière montée, il faisait nuit, complètement nuit. Et c'était, limite, quoi, il fallait pas 10 minutes de plus, quoi. 5. Non, mais sans déconner, là, Marvin, ça voit que c'est la retraite, là. Le Fanta, la pizza, la Gendas, le Nutella demain matin. Les chips, l'enculé. Vive la retraite. Calories, là. Il a vu, il a vu. Il a tout poussé la Le Dylan de Wish, il a vu. Le Dylan de Wish, il a vu. Je suis arrivé, j'ai mis le coup de frein, d'un coup, j'ai fait. Et poussé à terre, on fait ça, en fait. Ah, t'aurais vu ce qu'il a fait. Parce que j'ai cabré les marches, et d'un coup, ça fait. Ta. Et là j'ai fait oh. Mais t'es quand même bien passé. Je me suis claqué. C'est ça de rouler sur une KTM. Non mais sans déconner. Coupe. 9h25. Tout le monde est tanné sur le canap et compagnie. Et ça débriefe avec les contenus. Et tout le monde est sur son téléphone. Audio, vidéo. Tout le monde regarde. Textuel, ça partage des photos à mort. Moi j'avais pas reçu une encore. Hein. Ouais, moi non plus. Attends. Arnaud ne donne son numéro à personne. Ouais, attends, tu vas couper là. À la base, Arnaud est venu avec un demi-pain qu'il avait fait de jeudi dernier. Et il était encore bon et on s'est régalé. De Hanheim, quand t'es venu à Hanheim. Et on s'est régalé, et puis DV il fait son propre pain des fois, donc ils ont partagé leur. Leur recette. Je partage que ma femme. Coupé. Hein. C'est tout, après le reste, j'ai du mal. Et donc voilà, là on va faire un pain pour demain matin, enfin ils vont faire un pain. Nous on regarde avec le big. Ouais, mais là. Allez, un mec. Nutella. Mais on est 6, donc on a acheté le plus gros. Nutella, t'es d'accord avec moi, Stéphane? Que vous avez trouvé. Oui, il existe plus gros. Attends, mais non, il n'y a pas plus gros. C'est le plus gros celui-là. Regarde ma gueule. Elle est râle. Qu'est-ce que tu me casses les couilles? Elle est bien râle. Ça là, elle est pas mal. Les deux premières, c'était suspicieux. Si, la cuisine, c'est approximatif. Putain, barzo, qu'est-ce que je veux sache? Comme ta coiffure, quoi. C'est très simple, la mienne. C'est approximatif. Attends, tu vas tout mettre? Eh ouais. Tu mets combien, toi? Moi, je mets un. Ah, mais nous, on veut manger demain, on veut pas. Mais là, c'est bon, il y a 7 grammes, là. C'est quoi les artistes? Eh ben, là, c'est du. Ça, c'est 5, ça, c'est 7. Je sais pas à quoi il va ressembler, le pain, mais. Ça passe, gros. Mais si, c'est, il faut. Regarde, il y a rien qui coule. Allez! Allez, tout à la main. Non, je vais noter quelque chose. Non, mais c'est à la main qu'il faut aller. Ah ouais. Il y a plus dans les mains que là. Ça pue, là. La yeast. Là. C'est bon. Ah, tu rajoutes un peu de farine? Ouais. Bah, c'est le petit. Tu vas à l'œil après. Hein. Ok. De bon matin, Moab. Dernière martinée avant de partir. Oh, je suis à la caméra calme, tranquille. Wallet. On s'amuse de peu. No. Ah. Il est pas cuit, là. Ouais. C'est vraiment. Tu fais comme ça. Oh. On remet dans le four, dans le toaster. Ouais, il faut qu'il laisse. Alors, on n'a pas mis assez de sel.
On a mis trop de farine et on a trop travaillé le pain, je pense. Non, mais hier, ça dit qu'on n'a pas mis assez de farine. Il faut savoir aussi, là. Non, on a mis trop de farine. Et plus de farine. Dans les commentaires, qu'est-ce qu'on a fait comme erreur ce matin encore. Bon, au moins les œufs, c'est une valeur sûre. Oui, valeur sûre. Le pain est... manque un peu de sel, mais il me convient personnellement. Ah, je redoute le pain. C'est bon, hein. Je pense qu'il va falloir, je pense, prendre rendez-vous chez la lumière de Dieu est sur le pain, donc c'est bon, ça c'est... Validé. Non, mais là tu fais ça. Hein, hop, et le couteau tu viens le poser tranquille, ailleurs. Et pas sur le couvercle. Ah, si, sur le couvercle, vas-y, mais proprement. Moi le Nutella, moi je me le sers. Moi le Nutella, je me le sers comme ça. Tu vas à la cuillère, toi? Oui. Oh, sacrilège. C'est un des secrets de ta carrière, Nutella. Et comment tu fais là pour aller sur le. Ah, tu fais ça? Ouais, après tu casses au pain. Mais là, et tu fais quoi avec la cuillère? Et après, il remet dedans dans un port. Ça va être le débat, ça. Regarde-moi ça. Le Nutella, ça se mange avec un couteau à bourron. Ça s'étale pas avec une putain de galère. Ouais, galère. Galère. Pas du tout. Mais tu es fait, tu es dans la cuillère. Nous, on l'a fait quoi? Déjà, le lécher tout à l'heure, à la dernière tartine. Sois un homme, soit. Regarde. Sois un homme, soit. Prends un couteau. Putain, ça sent la fin, là. Ça range, là. Ah oui, hein, ça se termine, hein, commencer à ranger les affaires, à mettre dans le van. Ciao le retraité. Voilà. Bon retraite. Ciao. Le peintre. Peintre. En quoi? Peintre. Carroleur, peintre, boulanger. Boulanger, peintre. Moi, ça va. Encore un monsieur. Bon, Eric, encore merci, putain. Merci, Eric. Voilà, les mecs, c'était trop bon de vous avoir. On s'est gavé. Moi, j'ai appris vachement de trucs sur le Nutella. Je vais dire honnêtement, je suis un homme. La cuillère ou le couteau? Un sondage, cuillère ou... Moi, je pense qu'il faudrait... Couteau à sur Nutella chez le Big. Ok, clap de femme. Allez. 1, 2, 3.